Je l'ai ressenti, je pense, comme tout le monde, dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on a pris pour acquises, comme le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir une certaine stabilité, d'avoir la paix, ce genre de choses-là, qui aujourd'hui ont été complètement bouleversées du fait de la pandémie et du fait aussi qu'on n'a aucune visibilité, en fait, sur la manière dont les choses évoluent. Oui, je pense. Je pense parce que dans des situations aussi complexes que ça, on est obligé de se regarder réellement, de se regarder dans les yeux et de voir nos vulnérabilités. Et en se regardant réellement dans les yeux, en regardant vraiment ses vulnérabilités, on se rend compte que la personne qui est en face de moi est comme moi, en fait. Et c'est ce qui nous rapproche et ce qui crée aujourd'hui du lien. Et ce qui nous force à nous regarder, je pense, dans les yeux et à voir les choses telles qu'elles sont. Ça a créé, comme je vous ai dit, beaucoup de bouleversements, beaucoup d'inquiétudes, etc. Mais in fine, il y a beaucoup de personnes qui ont, quand ils ont pu faire une sorte de rétrospective de l'année 2020, se sont rendus compte qu'elles n'étaient pas si mal que ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pu se rapprocher de leurs enfants. Le fait d'être confinés des mois fait que on ne voit plus son enfant comme un simple locataire ou colocataire, mais plutôt comme une personne qui, en fait, « Ah, je ne savais pas que tu étais si douée dans la peinture, ou je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce genre de discussion-là. » Donc, ça a créé une certaine proximité quand même, même si pour certains aussi, ça a créé de l'isolement, parce qu'ils n'ont pas pu justement être aussi proches qu'ils l'auraient voulu de leur famille, etc. Mais je pense que globalement, ça a créé de la proximité parce que On n'était plus dans les futilités de « je te parle parce que tu as un titre », mais on se regardait en tant qu'humain et on se regardait face à nos vulnérabilités. Rêve de proximité pour demain, je dirais que ce serait... ça fait un peu idéaliste comme ça, mais je pense que l'idéal serait qu'on tente vers un monde dans lequel on place plus que jamais l'humain au centre de tout, parce qu'aujourd'hui, avec cette pandémie, on se rend compte que quelles que soient les technologies, quels que soient les processus qu'on développe, à la fin de la journée, on le fait pour les gens. Et à la fin de la journée, même dans le business, les échanges sont humains. Donc on pourra développer tout ce qu'on veut. Si on ne place pas l'humain au centre de nos échanges et au centre de nos préoccupations, tout ce qu'on fera n'aura aucune utilité. Donc je pense qu'il est plus que jamais crucial de placer l'humain au centre et de créer ces réels liens entre nous en tant qu'humains, en tant que personnes, et d'ensuite de voir comment est-ce qu'on peut dynamiser, renforcer toutes ces choses-là à travers différents outils qui peuvent être des outils digitaux, des outils présentiels, etc.